Il aime ça foutre sa merde, mon Jean-Marie. Dans la famille Baudin, il y a d'abord Maria, une vieille fermière tendance acariâtre, et qui adore houspiller son fils Christian, quinquagénaire et célibataire endurci qui vit toujours chez sa maman. Julie, bon sang, Julie, ça fait 50 fois que je te le dis. Chez les Baudin, l'humour est d'abord dans le pré, blague potache et décor de ferme. Pour leur tout dernier spectacle Grandeur Nature, le duo s'offre le Zénith, un petit air de salon de l'agriculture dans la mythique salle parisienne. Nos animaux, on a des chèvres, entre autres, portent le nom de femmes politiques. Et puis la petite dernière, naturellement, c'est Pénélope, voilà. Qui a fait son irruption dans le cheptel. Voilà, faut pas en dire plus. Non, faut pas en dire plus. Si on peut vexer après, ouais. C'est pas la peine. Je suis Christian Baudin, moi j'ai... Ah bon ? T'es pas Brad Pitt ? Et cette année, Christian est bien décidé à trouver une compagne, quitte à monter à la capitale. Oh, la loose, ok ? Le fils Baudin, faut qu'il trouve une petite femme, ça fait énormément de temps ouais. Qu'il en cherche une. Et on pense qu'au salon de l'agriculture, c'est là que ça peut se passer pour lui. L'occasion de rire des clichés supposés entre citadins et campagne profonde, et le public parisien adore. Je pensais pas aimer ça, et franchement, parce que je me dis c'est pas un peu vieillot, et franchement pas du tout. Au total, près de 12 000 spectateurs pour applaudir le duo, bien loin des petites salles des fêtes de leur début dans la campagne tourangelle.